Un pas important vient d'être franchi dans l'organisation du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2018. L'Office national des examens et concours du supérieur ONEX vient de mettre à la disposition des responsables des établissements scolaires les cartes d'accès en salle d'examen appelées communément cartes biométriques. Un geste apprécié à sa juste valeur par les responsables des établissements publics. En ce moment déjà, les 60 à 70% de cartes sont déjà retirées. Et même les retardataires continuent à venir pour pouvoir retirer leurs cartes. Et en plus de cela, nous, à chaque fois qu'un enfant vient retirer sa carte, on l'informe, prendre ses dispositions, on produit quelques conseils pour que le jour du baccalauréat, quand il va se présenter avec sa carte, d'être respectueux. Même son de cloche pour les responsables des établissements d'enseignement privé qui profitent de l'occasion pour demander aux chargés de cours de motiver les candidats. Nos élèves sont déjà prêts pour affronter le bac. Même au niveau de l'administration, tout est prêt. Les cartes biométriques sont déjà disponibles. On n'a pas connu des arrêts. Donc nos programmes à 99%. Et... Les élèves qui viennent de retirer leurs cartes biométriques affirment que c'est une motivation morale. Je me suis bien préparée et avant tout, on a déjà fini les programmes. Depuis le mois de mai. Aujourd'hui, on a retiré déjà notre carte biométrique. Les cartes biométriques sont désormais disponibles dans les établissements. Les candidats qui n'ont pas pu les retirer n'auront aucunement raison de se présenter le jour de l'examen sans ces pièces d'accès dans les salles.